matin, je suis venu savourer ton amour. Je suis venu savourer ton amour. Que mon cœur contient pour toujours. Et partout, partout. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Si le mot me manque, même si le mot me manque ce matin, mon cœur va se taire, Jésus. Alors que mon cœur se tairait, Jésus, mon silence va proclamer que tu es saint. Rabochata, alléluia. Annonce que tu agis encore. Et si le monde manque, rabochata, rabochata, mande rabochata. Si matin mon silence t'adore, alléluia. Jésus est un repas agréable. Mandere vos chats à la bresse. Seigneur, je te remercie. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Rabashata, tu fais bien de lui dire merci par tes acclamations. Tu fais bien de lui dire merci par tes acclamations. La Bible déclare, il y a d'abondantes joies dans la maison de l'Éternel. Il y a d'abondantes joies dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'un vivant racheté qui est victime de la joie qu'apporte la maison de l'Éternel peut se lever et offrir des offrandes d'acclamation à celui qui est là en ce lieu? Est-ce que celui qui est victime de cette joie peut acclamer Dieu de la manière dont il n'a jamais acclamé le Seigneur?
de la manière dont tu n'as jamais acclamé le Seigneur. Comme si après ces instants, Jésus revenait. 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 Manderebe chaterebo saya. Comme si après ces instants, Jésus revenait. Alors qu'il fait son entrée en ces lieux, que dis-je? Alors qu'il a déjà fait son entrée en ces lieux, est-ce que tu peux acclamer glorieusement Jésus? Arabo chaterebo saya. Cité de l'espérance t'offre des acclamations ce matin. Cité de l'espérance t'offre ses acclamations ce matin. Cité de l'espérance a compris que dans ta maison, elle trouve tout ce dont elle a besoin. Elle a compris que dans ta maison, elle trouve le réconfort. Elle a compris que dans ta maison, Jésus, elle trouve la paix. Elle a compris que dans ta maison, Jésus, elle trouve la joie. Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut acclamer royalement le Seigneur? Yamalamu asalaka, yakitoko apesaka, yangoto pesi eloku munatongo alelo, yangoto pesi eloku munatongo alelo, pona malamu yasalaka, pona oya kitoko apesaka, to pesi eloku munatongo alelo. Est-ce qu'un cœur peut commencer à bénir Jésus? Est-ce qu'un cœur peut commencer à le bénir ce matin? Est-ce que tu peux commencer à bénir ce Jésus ce matin? Est-ce que tu peux le bénir à cause de ce bienfait? À cause de ce bienfait? À cause de ce bienfait? Ces bienfaits qui sont innombrables. Ces bienfaits qui sont innombrables. Yamalamu asalaka. Yakitoko apesaka. Même quand tu prives parfois Dieu des prémices, même quand tu le prives de tes offrandes, mais lui il n'a pas épargné son fils unique. Il n'a pas épargné son fils unique. Yamalamu apesaka. Il a donné son fils en sacrifice afin que nous bénéficions d'une vie. Pas une vie terrestre seulement, une vie céleste, une vie pour l'éternité, une vie pour l'éternité, une vie pour l'éternité. Arabashata. Une vie qui ne dépend pas des commandements de somme, une vie qui ne dépend pas des directions de somme, une vie pour l'éternité. Alors que les diables seront foulés en enfer, mais nous parce que Dieu a décidé de donner son Fils. Nous avons la vie jusqu'à l'éternité. Pendant que les saints seront en train de souffrir, nous serons toujours en train de nous réjouir. Voilà pourquoi ce matin, ne cesse pas de te réjouir dans la présence de l'Éternel. Car ce ne sont que des prémices. Car ce ne sont que des prémices. C'est l'ombre de choses à venir. C'est l'ombre de choses à venir. C'est l'ombre d'une vie qui ne prendra pas de fin. C'est l'ombre d'une vie. Reste basite rebocha. Lebro soubaridika laiva. La kunda laideka soubere de chata. Lebro souta la mandiri barade de caché. Alléluia. Rabochata la bakasite. Yamalamu salaka. Yakitoko pesaka. Yahweh Zambezua Kembo Yamalamu Yamalamu Yosalaka Yakitoko Yopesaka Yahweh Zambezua Arabashate Kembo Yamalamu Yamalamu Yosalaka Shut up, I'm so Yahweh.
J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus ne s'est pas arrêté à le faire sur la croix. Il me dit, Rebecca, c'est chaque jour que je renouvelle mes bontés dans vos vies. Il me dit, Rebecca, c'est chaque jour que je fais de grandes choses et des nouvelles choses, des choses merveilleuses dans vos vies. C'est chaque jour que vous êtes victime de mes bienfaits. C'est chaque jour que vous êtes victime de mes bienfaits. Est-ce que tu peux élever cet yeux? Est-ce que tu peux l'élever pour ces choses merveilleuses qu'il fait encore dans ta vie? Pour ces choses merveilleuses qu'il réalise encore dans ta vie? Ah. Pour les uns, il donne un enfant après 10 ans. Après 10 ans. Après 10 ans. Pour le saint, il donne un enfant après 10 ans. Je ne sais pas s'il s'agit de qui en ces lieux, mais j'aimerais t'encourager à bénir Dieu ce matin à cause de ce bienfait. À cause de ce bienfait. Alléluia. Il n'a pas arrêté de le faire à la croix. Il continue à le faire. Il y a mal l'amour salaka. Tu as donné l'essentiel, Mandere Béchant.
Pour un problème du réveil à Mangafula, tu as donné cité de l'espérance. Yamalamo Salaka. Yamalamo Salaka. Pour un salut de plusieurs. Mande rebechate le bossaya. Rebechata la basite. Mande rebechata la breka. Nous nous lasserons de les dire. Alléluia. Yamalamo. Yamalamo yo salaka. Alléluia. Yakitoko yo pesaka. Yahweh. Yamezua. Kembo. Kembo. Oh. Yamalamo. Yamalamo yo salaka. Yakitoko. Yakitoko yo pesaka. Cité de l'espérance, il est là pleinement en ce lieu et il a dressé son oreille vers toi. Il a dressé son oreille vers toi. Il me dit ce matin, il refuse de passer, mais il demeure là avec nous. Il demeure là avec nous. Il demeure là avec nous parce qu'il veut décharger quelqu'un de ses fardeaux. Parce qu'il veut introduire quelqu'un dans une nouvelle direction de sa vie. Parce qu'il veut ouvrir une porte qui était fermée dans la vie de quelqu'un ce matin. Il est là, cité de l'espérance. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Et si tu crois en sa présence, tu vivras cela. Tu vivras cela. Tu vivras cela ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Est-ce que la musique peut se baisser un tout petit peu et que le voix se lève vers le Seigneur? Il est là ce matin pour t'écouter. Il est là ce matin pour t'écouter, cité de l'espérance. Il est là ce matin pour t'écouter. Il est là ce matin. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi tu as un carnet en train de crier. Je ne sais pas ce que tu écris, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu écris ce matin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si Jésus n'est pas en train de crier les résolutions qu'il doit te donner ce matin, s'il n'est pas en train de crier ce que tu es en train de lui adresser, il est en train de crier une réponse à ton problème ce matin. Parce qu'il est là, il est là, il est là, il est là, et il a dit qu'il le fera. Il est venu pas pour passer, mais il est venu pour demeurer. Il est venu pour demeurer. Alors il a besoin d'une femme à la perte de sang pendant 12 ans, puisse toucher le pan de son vêtement. Parce qu'en touchant le pan de son vêtement, il y a guérison, il y a le salut, il y a la paix, il y a la joie.
que le monde est incapable de donner. Que le monde est incapable de donner. Ce matin, le cœur de l'Éternel a besoin d'entendre ton soupir. A besoin de t'entendre encore. Est-ce que tu peux le lui donner encore ce matin? Est-ce que tu peux le lui donner ce matin? Ce que tu peux lui donner, c'est qu'il mérite ce matin. Au-delà de tes problèmes, au-delà de ce que tu as rencontré avant d'arriver en ces lieux, au-delà de tes préoccupations, est-ce que tu peux le lui donner ce matin? Peuple de Dieu, en ce culte du matin, voici ce que l'Éternel te dit. Et porte des cieux, élevez-vous, portes éternelles. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. En ce culte d'aujourd'hui, le Dieu de gloire fait son entrée. En ce culte de ce matin, le roi de gloire fait son entrée. En ce culte d'aujourd'hui, le roi de gloire fait son entrée. Le voici qui entre. Le voici qui vient pour toucher ton cœur. Le voici qui entre pour toucher ta vie. Le voici qui entre pour transformer les choses. Oh Père, merci parce que en ce matin, Seigneur, au travers de ce culte, au travers de cette adoration, au travers de la louange, au travers de la prédication d'aujourd'hui, Seigneur, tu nous feras du bien, tu nous toucheras, tu nous parleras, Seigneur. Toi qui connais, Seigneur, ce qui se cache réellement dans nos cœurs, tu nous feras du bien. Toi qui dis que tu entres, toi qui dis que tu es présent, nous ne pouvons te dire que merci pour ce que tu vas faire. Nous ne pouvons te dire, Yahweh, que la gloire te revienne. Car nous savons qu'au sortir de ce culte, Seigneur, nous serons transformés. 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 Merci Seigneur parce que ce matin, tu seras en train de guérir des malades. Merci Seigneur parce que ce matin, dans un doux silence, il y a des malades qui sortiront de ce lieu guéris. Il y a des personnes qui sortiront de ce lieu avec des solutions qui viendront directement du ciel. Oh Père, merci pour ces solutions qui tombent du ciel. Merci Seigneur pour ce ciel que tu as ouvert sur nous. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, j'ai vu des gens acclamer le Seigneur restant assis. Je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. J'ai vu des gens, un président de la République est entré dans son bureau. Il les a trouvés assis. Le lendemain matin, on les a congédiés. Mais toi, tu es devant ton Créateur. C'est par lui que tu vis.
C'est par lui que tu as le souffle de vie. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux le célébrer. Célèbre-le, mon frère. Célèbre-le, ma soeur. Oui, parce que ça lui convient. Ah, merci, Seigneur. Merci de ta gloire. Nous ne célébrons pas comme par habitude. Nous célébrons parce que c'est une alliance que nous avons fait avec le Seigneur. Nous lui avons dit que chaque fois que nous rencontrerons à ces lieux, nous te célébrerons. Alléluia. Est-ce que moi, Mololo Mokwa Kitoko Komonana? Nazoluka Mololo. Nazoluka Mololo. Mololo, Mololo. Mololo Ponankolo. Mololo Ponayesu. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. J'aime dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, tout est possible. Je ne sais pas d'où tu viens. Peut-être que chez toi, rien n'était possible. Mais devant le Seigneur, tout est possible. Parce qu'il fait des choses qui nous dépassent. La Bible dit, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans nos cœurs. Des choses que nos oreilles n'ont même pas entendues. Mais lui sait. Même si que toi tu penses que ça c'est mon besoin, lui-même connaît ton véritable besoin. Et il est capable de te le donner ce matin. Alléluia. Alléluia. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu ce matin. Dimanche après dimanche, nous nous retrouvons en ces lieux et nous les célébrons. Et en retour, il nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut l'acclamer en restant assis? Alléluia. Nous allons passer rapidement en lisant quelques communiqués. Notre communiqué habituel, c'est le geste et barrière. Avant, pendant et après le culte, ça reste des rigueurs. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on dira que le corona est passé, mais sinon, observons les gestes et barrières, c'est très important pour nous. Nos programmes de culte se présentent de la manière ci-après. Après, le mercredi, de 16h30 à 18h, nous avons notre culte d'enseignement. Les jeudis, nous avons notre prière d'intercession sur les nattes, de 16h30 à 18h30. Et un dimanche comme celui-ci, nous nous retrouvons ici pour adorer le Seigneur, pour le célébrer et pour l'écouter nous parler. Notre culte d'adoration qui commence de 8h à 10h. Nous rappelons à toute l'Église la tenue de notre deuxième séminaire de l'année, du mardi 20 au vendredi 23 avril 2021 et le dimanche 25 avril 2021 avec comme thème « Ce qui est à Dieu ». L'orateur, ça sera le pasteur Grâce Sumbela. Amen. Ça sera déjà le mardi prochain. L'Église informe également la vente du livre « Quatre dimensions de la grâce » du pasteur Trésor Fambani. Ça se trouve là, à la table de littérature, ça se va à $15. Nous vous informons également qu'à la même table de littérature, vous allez trouver le T-shirt « En attendant bouger, en attendant CPLA ». C'est au prix de $10. L'Église informe qu'une rencontre avec le pasteur et tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans les affaires ce samedi 17 avril de 17h à 9h pour un temps de prière et de partage sous le thème « Les affaires avec Dieu et selon Dieu ». Si tu fais des affaires, tu es dans les business, cette réunion te concerne. Il faut savoir faire les affaires avec Dieu. Amen. Donc venons, nous tous qui sommes branchés dans les affaires, pour écouter les enseignements et pour également prier avec le pasteur ce samedi 17 avril. Le même samedi 17 avril, de 10h à 12h, il y aura une rencontre avec le thème « Tobeta Masolo, y a appel avec le pasteur ». Amen. Tobeta Masolo, y a appel, na ministère avec le pasteur. Vous tous qui êtes concernés par les affaires, plutôt par les ministères, par les appels. Vous voulez en savoir davantage. Je vois des gens ici. Il y a beaucoup de ministères qui sont enfouis dans la vie, dans les cœurs des gens. Venez le samedi 17 avril, de 10h à 12h, vous en parlerez avec les pasteurs. Amen. Il vous attend à bras ouverts. La pastorale de l'Église organise une rencontre. Non, ça c'est déjà dit. La jeunesse informe à toute l'Église que le lancement de ces activités, c'est le 7
au 9 mai 2021. Et il a déjà tracé le programme qui se présente de la manière suivante. Le 7-5, il y aura une réunion qu'on appelle Praise and Worship. Le 8 mai, il y aura un culte. Et le 9 mai, ça sera la soirée des galas. Donc tous les jeunes sont conviés à ce programme. Évidemment, nous aussi, les adultes, nous sommes conviés pour les accompagner. Le département des femmes annonce la tenue d'une activité de partage et d'échange dénommée Komi Ngengisa. Cet appel s'adresse à toutes les femmes dont l'âge varie à partir de 18 ans. Yaka Omi Ngengisa. Amen. Ça sera une réunion autour du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, c'est notre soleil. Soka Zongengisi Biso, Toko Zong la Manda Kope Toko Ngengisa Papa. Donc venez à cette rencontre, c'est très important pour toutes les mamans âgées de 18 à plus. Donc, toi la maman qui ne vient pas aux réunions des mamans, où est-ce que tu es? Au rayon des papas, on ne te voit pas. Au rayon des jeunes, on ne te voit pas. Mais viens dans la réunion des mamans, c'est une réunion qui te concerne. Amen. Les mamans sont là. Est-ce que tu es comme mon abino? Amen. Donc les mamans, vous êtes conviés à cette réunion, ça sera le vendredi. De 16h30 à 18h. Le département des hommes rappelle leur réunion hebdomadaire ce mardi 13 avril à partir de 16h30. Donc tous les hommes également, ce mardi, nous nous retrouvons dans notre réunion hebdomadaire. Le pasteur reçoit chaque mardi et vendredi de 10h à 13h, puis de 14h30 à 16h. Amen. Est-ce qu'à ce stade du culte, y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la toute première fois? Tu n'es jamais venu. Tu es venu peut-être le mercredi, tu es venu peut-être le jeudi, mais tu n'es jamais venu un dimanche. Est-ce que si tu es là, tu peux seulement enlever ta main? On va te saluer, on va t'accueillir. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous vous êtes simplement debout. Mettez-vous debout. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur. La manière dont ils applaudissent ici, c'est peu. Ils ont l'habitude même de crier quand il y a des nouveaux qui viennent. Amen. Nous avons la joie de vous accueillir en ces lieux. Soyez vraiment bénis. Le dimanche prochain, vous vous souvenez, par ailleurs, cette chaise peut demeurer la vôtre toujours. Mais si vous n'avez pas une église d'attache, eh bien, cette église peut également être la vôtre. Mais si jamais vous avez une église d'attache, rentrez dans vos églises, saluez votre pasteur, toute l'église, de la part de l'ange que Dieu a installé dans cette église, le pasteur Freddy Molenga. Et le protocole vous a remis un feuillet. Veuillez y mettre tous les renseignements qui vous sont demandés, veuillez les y coucher. Et lorsque les pains des offrandes passeront, vous allez déposer ça dans les pains des offrandes. Dans l'entretemps, je vous souhaite de passer un très bon culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons maintenant offrir au Seigneur. Offrir au Seigneur n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas par hasard. On offre au Seigneur de manière intentionnelle. Quand je dis intentionnel, c'est-à-dire volontaire. Quand je dis volontaire, ça veut dire que nous avons un acte. Amen. Alléluia. Nous nous enseignons pour être bénis. Parce que le but d'une offrande, c'est que Dieu puisse... vaincre. Au Katinga Boni. Vous êtes-vous déjà demandé si votre offrande a été agréée par le Seigneur? Vous posez cette question-là. Mais vous venez seulement avec des prières. Avec le Seigneur, tout compte. Même ton offrande, il peut l'agréer. Et quand il agrée, il solutionne l'ensemble de tes problèmes sans même que tu puisses le savoir. Amen. Je te dis ça pour que tu puisses faire rentrer ça dans tes oreilles. Tu peux prendre ton offrande avec ta main droite. Si tu n'en as pas, lève également ta main droite. Lève nos mains droites. Nous allons avoir une prière. Et pour ceux qui ont amené les offrandes et ceux qui n'ont pas amené les offrandes. Papa, nous te bénissons, te rendons grâce ce matin pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Celui de t'offrir ces offrandes qui viennent de la multitude de choses que tu as fait pour nous et de tout ce que tu nous as donné. Nous avons pris ces peu pour les déposer dans ton panier en ce jour. Nous prions, Papa, afin que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Bénis-nous, Seigneur.
Bénis tous ceux qui n'ont rien amené et permet qu'à la prochaine occasion, ils aient quelque chose à déposer dans les paniers des offrandes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, passez un bon culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons célébrer le Seigneur. La Bible dit ceci: l'Éternel a rendu Michal stérile parce qu'elle avait tout simplement méprisé David en train de louer le Seigneur. Alors si Dieu peut rendre stérile une personne qui méprise la louange, donc il peut fertiliser une personne qui loue bien Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tout simplement le Seigneur? On va dire Nzambe Tata, Nzambe Tata. 1, 2, 3, go! Nzambe Tata, Ofandina Likolo, Kakombo na yo, Ezwa lokumuku, Nelolo bipeli. Bole na yo, de bole na yo, etamboli sabiso, namboka na yo, Yerusalem pou, toko yemba na bon. Est-ce qu'on peut encore reprendre ça? Nzambe tata, Nzambe tata, Ofandina likolo, Kakombo na yo, Izwa lokumuku. Pole na yo, pole na yo, et ta bolisa biso, nomboka na yo, Jérusalem, toko yeba, on y va, atonda boboto, Yahweh, atonda bolimbo, na bonjeli yo, boboto na ngale, Molimo, na bonjeli yo, molimo na ngae, mayele, na bonjeli yo, mayele, na nga nzambe na nguya, molimo na ngae, Yahweh, Yahweh. Oh, elikia ya basantu, Yahweh. Oh, nzambe ya eklesia, Yahweh, na bonjeli yo, boboto na ngae, Yahweh, na bonjeli yo, molimo na ngae, Yahweh. Na bonjeli yo mayele na nga nzambe na nguya Molimo na ngae Yahweh Oh nzambe ya kombo Yahweh Kobeteli yo mololo makasi Yahweh Na bonjeli yo bomoto na ngae Yahweh Na bonjeli yo molimo na ngae Yahweh Na bonjeli yo mayele na nga nzambe na nguya On va dire ceci. Oh, tango munga ekobeta, bawa bako sekwa, bisona muya ya molimo, mo santwe doko ne doma. Yaka e mwana, appelons le Seigneur, benga e, benga e. Yaka e Yesu, yolele. Oh, tango munga ekobeta, bawa bako sekwa, bisona muya ya molimo, mo santwe doko ne doma. Yo lelele, aya ya, Yesu kuzala na yo likolo, Alleluia, Oh mokili ekomi na suka, kanga mana masia, okomona nkembo na ye, oh, oh Alleluia, Yo lelele, libomba na yo, Yesu kuzala na yo likolo, Ah, mokile komi na suka, kanga mana masia, okomona nkembo na ye, oh, oh, Alleluia. Yo lelele, aya ya, Yesu kozala na yo likolo, Alleluia. J'aime ceci, oh, mi batela, sote masumu, potango Yesu akozonga ye, akende na yo, oh, oh. Yo lelele, yele, Yesu Christu, Alleluia, Ah, mi batela, sote masumu, potango Yesu akozonga ye, akende na yo,
yo lele lingomba na yo alléluia on va reprendre ça oh elikia ya basantu to bete yo maboko maboko oh na bonjeli yo moto na ngai yawe na bonjeli yo molimo na ngai Bonjeli yo maele nanga sa melambu yae Bonjeli yo nanga yae Oh kumisae Kumisae na Seigneur Alleluia Bolo Yesu alongie Oh neto la Yesu Neto la ye na Seigneur Alleluia Bolo Yesu alongie Oh sanjo la Yesu Sanjo la ye na Alléluia, Bolo Yesu alongie. Oh, binela Yesu, binela na Yesengo. Alléluia, Bolo Yesu alongie. Oh, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu, mwamba. Mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu, mwamba. Mwamba ni Yesu. Oh, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Ah, mokili mobimba simba mandalala. Mwana na nzambe ya kumama. Alleluia, lelele. Mokili mobimba simba ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Mwana na nzambe ya kumama. Oh, mokili mobimba betata mololo e. Mwana na nzambe ya kumama. Alleluia, lelele. Mokili mobimba simba mandalala. Mwana na nzambe ya kumama. Alleluia. Oh, mokili mobimba pepata maboke. Mwana na nzambe ya kumama. Alleluia, lelele. Mokili mobimba simba mandalala. Mwana na nzambe ya kumama. Alleluia. Oh, mokili mobimba binata mabina e. Mwana na nzambe ya kumama. Seko na seko. Mokili mobimba simba mandalala. Mwana na nzambe ya kumama. On va dire ceci, c'est simple. Alléluia kumama. Oh! Alléluia kumama. Oh, alléluia kumama. Lobite leloyo aku mama Lobite sikoyo aku mama Lobite leloyo aku mama Lobite leloyo Lobite sikoyo aku mama Lobite leloyo Yoka Baba na biso afandi na ye na lola Papa na biso afandi na ye na lola Kombo na ye Alpha Omega na lola Kombo na ye Jova Jire na lola Kombo na ye le roi des rois Ah est-ce que tu peux célébrer Dieu célèbre-le célèbre-le Ah moi mololo moi mololo moi mololo moi mololo Oh, alléluia, alléluia, lobite leloyoa, lobite sikoyoa, lobite leloyoa. Je veux qu'on le fasse avec les mains seulement, avec les mains seulement. Oh, alléluia, les mains seulement, les mains seulement, les mains seulement. Ah, alléluia. Wapi maboko na yo, maboko aku mama. Lobite leloyo aku. Est-ce que les mains peuvent s'élever? Est-ce que les mains peuvent monter? Les mains peuvent monter? Les mains peuvent monter? Ah! C'est bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Ah! Tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Maintenant on va ajouter les paroles. Oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia.
lobite si goyo a mama. Unate kasiya wa mama. Aliba. Oh alléluia. Oh alléluia. Papa nabiso afandi na ye na lola. Papa nabiso afandi na ye na lola. Babenga kaye papa ya bien na lola. Babenga kaye Jova jire na lola. Papa nabiso afandi na ye na lola. Bombonaye le roi des rois, Nalola. Bombonaye le roi des rois, Nalola. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore mieux le faire, mieux le faire? Akumama, ma si, Akumama. Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux me le faire? Alléluia. 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 Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'un cœur peut s'élever encore, parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration? Est-ce que tu peux parler? Maraba chatelebe soyandere de chata. Seigneur, pendant ce temps, nous nous préparons pour ta rencontre, Jésus. Nous voulons te dire ce matin que nous ne pourrons pas, Éternel, y arriver si toi, tu ne nous tiens pas la main, si toi, tu ne marches pas avec nous, si toi, tu n'es pas avec nous, Seigneur. Nous voulons te dire ce matin que sans toi, Éternel, nous ne pourrons pas, Éternel, sauter les péchés comme nous venons de le chanter, Seigneur. Nous voulons te dire ce matin que sans toi, Éternel, nous n'y arriverons pas, Jésus. Nous voulons te dire ce matin que c'est toi qui nous suffis, Seigneur. Que c'est toi qu'il nous faut, Dieu, pour que nous puissions y arriver. Pour que nous puissions y arriver. Pour que nous puissions y arriver. Seigneur, je ne cesserai de le dire. En cette fin de temps, Seigneur, tu n'as pas besoin du nombre, mais tu as besoin de la qualité de nos vies. Ces matins, nous nous approchons devant toi, car nous ne pourrons rien faire sans toi. Et nous voulons acheminer ensemble avec toi, Jésus. Jusqu'à ce que tu reviennes, Éternel. Jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que quelqu'un qui se sent incapable ce matin peut parler à Dieu? Peut parler à Dieu ce matin? Il me disait, Rebecca, dis-leur qu'ils viennent à moi et tous qui sont fatigués, qu'ils viennent à moi, car je leur donnerai du repos. Pour les autres, je conduirai leurs pas. Est-ce qu'un cœur peut s'approcher de Dieu? Est-ce qu'un cœur peut s'approcher de Dieu? Est-ce qu'un cœur peut s'approcher de lui? Est-ce qu'un cœur peut s'approcher de lui ce matin? En lui disant, Seigneur, que c'est toi qui m'es fait vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi.
Est-ce qu'un étudiant en ce lieu peut se rapprocher de Dieu en lui disant, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne serai pas en mesure de mener cette vie. C'est chaque jour que je soupire à mon Dieu. C'est chaque jour que je lui dis, Seigneur, le fait de t'éteindre devant peut me faire oublier que tu reviendras un jour. J'aimerais que tu soutiennes mes pas, que tu m'accompagnes, Jésus, afin que je ne me perde, Seigneur. Ce matin, Jésus veut rencontrer personnellement une personne. Saisis cette occasion. Rebochata et approche-toi de Dieu. Rebochata. Yes, Éternel, mingi bakoloba bayembela kio. Kasio koloba, oyeba ki bangote. Alors que tu nous donnes ces privilèges. Alors que tu nous donnes ces privilèges. Zambé, Zambé, Rebochata. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Toi, je me sens bien quand je suis entre tes mains. Je n'ai pas peur du lendemain. Rebochate rebe sata la bakasite. Mandiri brechata la bressaya. Rebebebebe sata. Mandiri bossata. Reboboche. Cité de l'espérance, c'est Dieu qui nous fait vivre. Ce matin, il a besoin que quelqu'un s'approche devant lui. Avec ces fardeaux-là, avec cette vie que tu n'arrives pas à abandonner. Avec ces choses qui te surmontent le plus. Ces choses pour lesquelles tu dis, Nzambe soko tikinga awa, tango kozonga lifelonde koyambangai. Est-ce qu'un corps peut le dire? C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Hey! Jésus est moi. Je n'ai compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans 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 toi. Les seigneurs se demandent, Rebecca, où êtes-vous le serment? Où êtes-vous le serment? Je suis venue pour émonder la vie de quelqu'un. Je suis venue pour émonder la vie de quelqu'un. Je suis venue décortiquer la vie de quelqu'un. Des épines qui m'empêchent d'agir en lui. Je suis venue pour décortiquer de la vie de quelqu'un les épines qui l'empêchent de m'être agréable. Yeshua Zawa, pour un picolabilo comme ma benakati nabiso.
Et ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien faire. Et que tu t'approches de lui. Et que tu t'approches de lui. Et que tu mandes rebochata. Et ribosuta ravache. Et que tu t'approches de lui. Et roboboche kayamande rebessa. Ne te retiens pas ce matin. Ne regarde pas ton voisin. Il ne changera aucune situation de ta vie. Rosuta la bocha. Mandi riboche. Et ribosha ta la bosse. Mandi ribibibibissa. Et rebochata. Rebochata. Rebobobobosse. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ah ah. Rebosha. Rebosha. Si tu es de l'espérance, pourquoi tu t'étais? Aujourd'hui, il vient vers toi parce qu'il veut te changer. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard si tu es de l'espérance. Demain sera trop tard si tu es de l'espérance. Demain sera trop tard si tu es de l'espérance. Mande rebe chata. Mande rebe chata. Yesu nazo kokate. Yesu soki osongi lelo. Yesu soki osongi lelo. E raba chate rebo saya. Pas un pas sans toi. 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 Ne me laisse pas marcher toute seule. Ne me laisse pas marcher toute seule. Quelqu'un le dit, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Non, non, pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Non, 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 non. Pas un pas sans toi. Tu ne me laisses pas marcher. Ne me laisse pas marcher. Rebecha. Rebecha ta la baisse. Tu ne me laisses pas marcher. Ne me laisse pas marcher. Rebecha ta. Est-ce que des gens peuvent s'agenouiller devant le Seigneur? Je les sens fortement dans mon esprit. La position à genoux est une position d'humilité. Par le respect que je vous dois. Est-ce que tu peux te prosterner devant le Seigneur? Ce matin, il n'a pas besoin de force. Ce matin, il n'a pas besoin de ce personne qui se considère fort. Ce matin, il n'a pas besoin de ces personnes qui pensent qu'elles peuvent y arriver seules. Ce matin, il a besoin de ces personnes qui se reconnaissent faibles. Qui se reconnaissent faibles. Qui se reconnaissent faibles. Qui se reconnaissent faibles. Il me dit, Rebecca, dis à mes brebis, je suis là pour eux. Je suis là pour eux. Je suis là pour eux. Pour le conduire vers le vert pâturage. Pour le conduire près de eaux paisibles. J'ai besoin de cette humilité de cœur. J'ai besoin qu'ils reconnaissent que sans moi, ils ne peuvent rien. J'ai besoin qu'ils reconnaissent que sans moi, ils ne peuvent rien.
J'ai besoin qu'ils reconnaissent que sans moi, ils ne valent pas. Ils ne valent pas. Ils ne valent pas. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai fait. Je soufflais de mon souffle dans vos narines. Je soufflais de mon souffle dans vos narines. Et Yesu Nazobanga. Je soufflais de mon souffle dans vos narines. Ce que vous avez, ce que vous avez, n'est que le fruit de ma grâce. N'est que le fruit de ma grâce. N'est que le fruit de ma grâce. Ce que vous êtes ce matin n'est que fruit de ma grâce. Aujourd'hui, je fais mon entrée en cité de l'espérance parce que je vais émander. Parce que je veux émander. Rebecca, je veux émander. Je veux émander. Je veux émander. Et Rabo chante à la baisse. Rimo sinte rebe chante rebe cassia. Rebe bebe chante rebe rebe. Mandiribre chante la vaca sinte. Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle et la terre préfère et tout l'univers le vénère. Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble, oh tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi ta déchéance dans les mauvais jours et devant tous les débuts. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ah oui. Je t'adore. Oh, 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 oh. Seigneur, je t'aime. Oh oui, tu as mis fin. Tu as mis fin, ainsi qu'à mes errances. En toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, 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 oh. Tu contrôles tout ce qui m'effondre. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie dans Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie.
et l'ombre de ta main sur mon chemin. Tu changes me plaire en cri de joie. Tu changes me plaire en cri de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main, et l'ombre de ta main sur mon chemin. Est-ce que nous pouvons encore le répéter pour une dernière fois? Tu changes me plaire, tu changes me plaire en cri de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, papa. Je t'aime, je t'aime. Ah oui. Je t'adore. Oh oui, il a mis fin. Il a mis fin. Ainsi qu'à mes errances, en lui, et quand je criais, de lui ma vie dépend. Je l'aime, 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 je l'aime. Cela était plus qu'une chanson. Cela, c'est plus qu'une chanson, Seigneur. C'est une prière pour nous, ô Dieu. Nous qui avons trouvé place dans ta présence. Nous qui avons trouvé place dans ta présence. Nous n'étions pas comptés parmi ceux-là qui devaient être dans ta présence. Mais tu nous as choisis par ta grâce. Et tu as fait que nous puissions être dans ta présence. Tu as fait que nous puissions nous retrouver dans ta présence. C'est toi qui changes nos pleurs en cris de joie. C'est toi qui changes nos pleurs en cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Quand je vois le prix de mon rachat, je me dis que je suis précieux à tes yeux. J'écoutais la vie de Jésus. Il a fallu que Jésus puisse passer à la croix pour que je sois racheté. Merci papa pour ce matin. Merci papa pour ta gloire. Merci papa pour ta présence. Merci papa pour ta manifestation. Merci papa, ce matin nous t'adorons Père. Ce matin nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Ensemble avec ton peuple, nous t'adorons. Et nous les traduisons par des acclamations et des cris de joie en ton honneur et pour ta gloire. Nous t'acclamons car tu mérites. Nous t'acclamons car tu es digne. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous t'acclamons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous t'acclamons, le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Nous sommes à tes pieds. Nous voulons apprendre de toi. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-moi et parlez-nous, Seigneur. Nous voulons que ces choses puissent rester gravées dans nos esprits, Père. Nous voulons, Père éternel, que nos vies soient sauvées par ta parole, ô Dieu. Merci par ton Esprit Saint qui va nous parler ce matin, Père. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut l'acclamer. Que le nom du Seigneur soit béni.
Grande ma joie de vous retrouver ce dimanche matin. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tu lui dis, je suis dans la joie de te retrouver ce dimanche matin. S'il ne parle pas bien, change un autre voisin. Dis-lui, je suis dans la joie de te retrouver ce dimanche matin. Ajoute, parce qu'il était possible qu'on m'appelle pour me dire que tu n'es plus en vie. Est-ce que tu es en train de lui dire? Lui, parce que c'est possible qu'on pouvait aussi m'appeler pour me dire que tu n'es plus en vie. Alors comme je te vois, si tu n'as pas dit merci à Dieu, moi je dis merci à ta place. Le fait que je te vois en vie, je bénis Dieu pour toi. Et ajoute encore ceci. Si je te vois en vie, Zela. Qui vous a dit si vous êtes marié, femme, que vous ne voulez pas vous parler? Alors regardez-vous. Regarde. Oui, voisin, regardez-vous. Voisin, oh. Eric, regarde ton voisin. Eric, t'as la moninga na yo aza pene. Alors, répète maintenant ces dernières phrases. Bande la malobo ya suka. Si je te vois en vie, soki na moni na bon moi. C'est un signe pour moi. Eze le mopo na ngai. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et tenza maintenant na silicité longo na yo. Parce que Dieu n'est pas gaspillé. Po tenza baza wo asakani la rabino. S'il a fini avec toi, soka silicité longo na yo. Il te laissera pas en vie. Ako tiko na bon moi ite. Si tu es en vie, soko za na bon moi. C'est parce que Dieu Eza po tenza n'a pas encore fini pour toi. Na silicité longo na yo. Tu le verras. Oko mona avant que tu quittes ce monde, tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu as entendu parler des cheveux blancs. Non, continue à lui dire, tu as déjà entendu parler des cheveux blancs. Toi-même, tu vas le vivre. Parce que tu ne quitteras pas ce monde. Rassasié des jours, plein de jours, dans le bonheur et dans la joie. Quelqu'un croit cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Tu n'as aucune idée de dire ainsi. Peut-être en quittant la maison, personne n'a dit de bonnes paroles. Et quand il arrive à l'église, et sous l'onction de Dieu, quand tu dis quelque chose sur ton frère, ta soeur, ça finira par arriver. Quelqu'un croit cela. Amen. La loi de la redevance. J'attends quelqu'un dire, c'est pas encore fini. Non, ça va finir. Si ça ne finit pas, considère ça comme tour de Babel aussi, qui n'a jamais fini. Qu'est-ce qui ne finit pas? Tour de Babel. Et la loi de la redevance. Alors nous étions arrivés là où nous sommes en train de parler sur la redevance matérielle. Et dans la redevance matérielle, nous avons commencé par parler de la première des choses que nous devons à Dieu. Nous devons les payer en tant que redevance. Et nous avons cité les prémices. Nous avons dans Lévitique 23:10, la Bible dit, Dieu parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Quand vous entrerez, quand vous allez trouver ce travail, quand les affaires vont produire, quand les choses vont aller de l'avant, la première des choses que tu recevras en termes de bénéfices, Dieu a dit que tu lui donneras. C'est quoi les prémices? Nous avons dit que c'est le premier revenu que nous recevons dans notre travail. Ça peut être un salaire, ça peut être un bénéfice. Donc on ne le mange pas, on ne bouffe pas cela, on prend la totalité. Et la Bible dit, tu iras
voix des sacrificateurs et tu donneras les prémices dans la maison de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et nous avons dit qu'en dehors que ça soit une redevance, les prémices c'est une expression de manifestation de l'honneur dû à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, c'est l'honneur que tu lui donnes. Et nous avons aussi dit, c'est aussi un moyen par lequel l'homme passe volontairement derrière et il place Dieu devant. Lui qui devait être le bénéficiaire en premier, il se met derrière et il se place devant. Proverbe 3:9 dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Et nous avons insisté là-dessus en disant que les prémices n'appartiennent pas à nos parents, comme la tradition nous fait comprendre. Les prémices appartiennent à Dieu. Et la deuxième des choses que nous avons parlé, nous avons parlé de la dîme. Tu élèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et nous avons dit que la dîme, c'est les 10% de tout ce que l'on gagne. Les 10% de tout ce qu'on gagne. Et nous avons dit que si tu es employé, si tu travailles quelque part, c'est les 10% de ton salaire. Si tu es dans les affaires, les bénéfices que tu reçois, c'est les 10% de tes affaires, de tes bénéfices. Je ne parle pas de capital. Après avoir dégagé le capital, ce qui reste là comme étant bénéfice, c'est là qu'on tire la dîme. Et je disais aussi, on donne la dîme avec tous les primes qu'on nous donne. Quand tu reçois les primes dans le travail, la gratification, les cadeaux, c'est là où tu vas retirer la dîme. Les jours de ton anniversaire, on te donne $100. Donc tu enlèveras la dîme en cela. Tu vas à mission, on te donne les frais d'émission. Dans d'autres entreprises, il y a une rubrique qui est dégagé, qui est pour toi. Cette rubrique là, on ne justifie pas. Donc on s'est dit que tu es parent, alors tu as droit à laisser quelque chose. Après avoir enlevé ce qu'on avait prévu pour le logement, la nourriture, dans la rubrique qui reste là, qui est connue, alors c'est là que tu vas prélever la dîme. Mais si il arrive là où tu travailles, qu'on ne met pas cette rubrique, alors ne fais pas des combines pour enlever la dîme. Parce que si tu enlèves la dîme, il faut rentrer justifié. Alors comment tu vas dire que je donnais la dîme qui n'était pas prévue dans la rubrique des frais d'émission? Là tu risques d'être attrapé comme un voleur. En ça, on ne donne pas la dîme. Mais si cette rubrique existe, que c'est ton argent de poche, j'ai effectué des missions de service, moi j'ai effectué des missions de service, il m'est arrivé de voir des rubriques pareilles. Donc ça m'appartient et je peux donner la dîme. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est une nuance que je voudrais apporté par rapport à ce que j'avais dit la fois passée. Si tu fais louer un bien, une maison, une voiture, un bâtiment, quand on te paye, c'est les 10% que tu vas enlever. Et nous avons aussi parlé des cas où on ne donne pas la dîme. On ne donne pas la dîme sur le remboursement d'un dû. On ne donne pas la dîme sur la ristourne. On ne donne pas la dîme sur l'argent de Minerval. On ne donne pas la dîme sur l'argent pour
pour aller te faire soigner. On ne donne pas la dîme sur l'argent souillé. L'argent que tu as volé. La prostitution. L'escroquerie. Bouffe ça sel. Ne nous amène pas l'argent souillé ici. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe les montants. Ne nous impressionnez pas. Qui dit reste, tu ne le donnes pas, tu donnes à Dieu. Il n'y a aucun montant sur la terre des vivants qui peut impressionner Dieu. Alors ne nous amène pas l'argent souillé. L'argent que tu as volé. Tu as introduit plusieurs noms dans les listings. Alors lorsque l'argent est sorti, c'est toi qui récupères le tout. Au lieu de faire les reliquats, alors toi tu les gardes. Alors ne prends pas la dîme sur ça. Ne nous amène pas ça. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne dis pas que nous allons sanctifier cela. Non, nous n'allons pas sanctifier. Qui dit reste, le pasteur n'a pas le monopole de sanctifier les choses souillées. C'est Dieu qui sanctifie. Si c'est souillé, ça restera souillé. Même si je mets mes pieds, je pose mes mains, je mets mon ventre, je mets ma tête, cet argent restera souillé. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel. Ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement des faits quelconques. Car l'un ou l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et nous avons insisté en disant que toute dîme n'est pas forcément dîme. C'est la première 10% de tes revenus. Donc avant que tu commences à faire des dépenses, les premiers 10%, c'est là la dîme. Il ne faudrait pas commencer à faire des dépenses. Après tu dis, on n'a pas donné la dîme. Et tu retires la dîme. Non, ce n'est pas ça la dîme. La dîme, c'est avant tout. Avant toute dépense. Tu commences d'abord par prélever la dîme. Et dans la loi de la redevance, on avait dit que ce n'est pas ça si j'ai dit de décider quand payer ou comment payer. Quand tu reçois l'argent, tu payes directement. Ne dis pas que je paierai le mois prochain ou je paierai après ou soit je donne d'abord 5% et puis je donnerai 5 après. Non, c'est que tu viendras de donner là. Ce que tu vas donner là, ça ne sera pas la dîme. Et vous devez savoir une chose. Ce n'est pas à nous de décider comment donner la dîme. La Bible éclaire la dîme. La dîme, nous la donnons dans la maison de l'Éternel. Donc ici, dans les paniers qui surgissent, ce n'est pas à toi de décider comment faire, comment donner ta dîme. Ne dis pas que tu te réveilles un matin, on te paye, tu prends 10%, tu vas voir les orphelins et tu donnes ta dîme. Moi je suis en train de soutenir les orphelins. Tu vas dans des hommes de veillards, c'est ici que je donne ma dîme. Ce n'est pas la dîme. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça l'aumône. Ce n'est pas la dîme. Donc même si tu le prélèves de 10% de ton salaire, Dieu ne le considère pas comme dîme, parce que ça ne nous revient pas de décider quoi faire avec notre dîme. La destination va où? Aussi, ça ne nous revient pas de venir questionner le pasteur ou l'administrateur de l'église. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma dîme? Ça ne te revient pas. Ce n'est pas de ta responsabilité. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a poussé à faire, tu te limites là en donnant la dîme. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et j'avais aussi dit que c'est là où même tu es, il nous demande de les mettre en épreuve. Lorsque nous avons lu Malachie 3, 12 à 10, 10 à 12, où Dieu dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes,
Et puis dit, afin qu'il y ait de la nourriture, afin qu'il y ait le bon fonctionnement dans sa maison, c'est ce que ça signifie. Ce n'est pas que vous trouverez des grosses marmites remplies de haricots et foufous. Et c'est ce que la Bible dit, que pour qu'il ne manque pas la nourriture, c'est pour le bon fonctionnement de sa maison. Si la maison de Dieu ne fonctionne pas bien, ça signifie que c'est toi qui ne donnes pas la dîme. Il y a un verset de la Bible que je ne pourrais pas te citer, parce que ça me choque des fois. On a dit que les sacrificateurs ont abandonné la sacerdoce. Vous savez pourquoi ils ont abandonné? Parce qu'il n'y avait pas de dîmes de souffrance. Il n'y en avait pas. Donc ça dit qu'il n'y avait plus moyen pour eux de vivre. Et c'est comme ça que je disais à quelqu'un, un jour vous verrez seulement le pasteur n'est pas venu le matin. Vous posez la question, le pasteur est où? Quelqu'un va te dire, je l'ai croisé devant ma savoir en train de déposer son CV. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors c'est là où Dieu dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors une chose à savoir, nous ne devrions pas offrir à Dieu pour qu'il nous bénisse. Non. Non, non. Tete. On ne donne pas à Dieu pour qu'il nous bénisse en retour. Cela ne doit pas être notre motivation. Mais parce que c'est une loi de la redevance. Et comme nous sommes des bénéficiaires, nous donnons à Dieu et nous ne disons pas, je te donne, bénis-moi en retour. Cela ne doit pas être une motivation. Si ça doit être une demande, faites-le à Dieu. Mais cela ne doit pas être une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu. Sinon, ceux qui marchent dans l'impureté pourront aussi faire autant. Ils pourront amener leur argent et donner à Dieu pour que Dieu les bénisse en retour. C'est un principe biblique auquel nous devons observer et pratiquer. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors, j'ai parlé de la redevance. Les primes, plutôt les prémices. Et deuxièmement, je parlais de la dîme. Et troisième type de redevance, je l'ai appelé la redevance par amour. La redevance par amour. Et dans cette redevance par amour, se trouvent plusieurs sous-redevances auxquelles la redevance par amour généralise. Cette troisième redevance, elle est différente des deux premières redevances. Elle est différente de la redevance sur la redevance spirituelle. C'est-à-dire là où j'ai parlé de l'adoration, je parlais de toutes ces choses. Et deuxièmement, c'est différent de la redevance matérielle. Là où j'ai parlé des dîmes et les prémices. La différence se situe à ce niveau. La première différence, cette différence est au niveau que cette redevance est liée à l'amour. Donc si nous le payons, nous le payons par amour. Et deuxièmement, en rapport avec la définition de cette redevance, cette redevance a comme définition l'expression de l'amour. C'est une manière de manifester l'amour. La Bible dit, quand Dieu tant aimait le monde, il a posé un acte qui était l'expression de son amour. Il a donné celui qui était précieux pour lui, Jésus-Christ. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous me suivez? Il a donné Jésus-Christ. Alors, quelles sont ces redevances par amour? Il y en a plusieurs. Alors la première redevance par amour, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Les offrandes. L'expression d'amour. Dieu ne nous impose pas, mais il nous laisse faire
en regardant l'expression de l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Tu veux savoir combien tu aimes Dieu? Regarde ce que tu mets entre tes mains. Et quand tu mets au panier, quand tu veux voir, si tu veux savoir combien quelqu'un t'aime, regarde les genres de choses qu'il te donne. Regarde l'intérêt qu'il a sur toi. C'est exactement ça. Dieu aime que nous puissions les donner. Mais il ne nous laisse pas qu'on puisse le donner n'importe quoi. Et n'importe comment. Il essaie aussi de régulariser dans ses secteurs pour que nous puissions lui donner afin que son cœur puisse se réjouir. C'est quoi l'offrande? L'offrande, par définition, est un présent dont on gratifie quelqu'un pour lui prouver son dévouement ou son attachement. C'est un présent dont on gratifie quelqu'un pour lui prouver son dévouement ou son attachement. Alors, comprenez que à chaque fois que tu donnes à Dieu, tu es en train de manifester à Dieu ton attachement et ton dévouement. Deuxième définition. C'est quoi l'offrande? Je parle de l'offrande qu'on donne à Dieu. C'est un don destiné à Dieu pour l'honorer. C'est un don destiné à Dieu pour l'honorer. Déjà, si nous devons nous arrêter à ce stade, la grande question nous devons nous poser, est-ce que ce que je donne à Dieu, ça honore réellement Dieu? Troisième définition, c'est un don libre et volontaire fait à l'Éternel. C'est un don libre et volontaire fait à l'Éternel. Donc, toi-même, tu décides quand je viendrai au culte ou en dehors du culte, parce que je dois souligner, l'offrande ne se donne pas à l'heure du culte. C'est pas seulement au culte qu'on peut donner. On peut passer dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi dans d'autres églises, ils ont des paniers des offrandes en permanence. À tout moment, quelqu'un peut entrer, motivé par ce qui se passe dans son cœur, et il vient, il l'offre à Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi-même, tu décides d'une manière volontaire, je prends ça, je donne à Dieu. Et la première fois que le mot offrande est mentionné dans la Bible, c'est avec l'histoire de Caïn et Abel. Si vous lisez avec moi Genèse 4, versets 3 à 5, la Bible dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fait une première née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, quelques vérités sur ce texte ou quelques vérités sur ses offrandes. La première des choses que vous devez savoir, Dieu regarde d'abord l'homme avant de regarder son offrande. La Bible dit que ces deux personnes sont venues offrir à Dieu. C'est là la première fois que la Bible fait mention de l'offrande. Et la Bible fait mention de l'offrande dans l'histoire de Caïn et Abel. Et les deux sont venus offrir à Dieu. Dieu a regardé favorablement l'offrande d'Abel et il n'a pas regardé l'offrande de Caïn. Et ce qui nous pousse à dire la première des choses, que Dieu regarde d'abord l'homme avant de regarder son offrande. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. D'abord Abel. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Dieu porta un regard favorable sur Abel d'abord. Et après son offrande. Vous devez savoir que Dieu regarde d'abord la personne qui l'amène l'offrande. C'est comme ça que j'étais en train de dire. Dieu aime les offrandes. Mais il ne nous laisse pas donner cela comme nous voulons, avec les attitudes que nous voulons. Donc il met une lune de conduite. Il ne fait pas
accepter l'offrande de tout le monde. Tout le monde peut offrir à Dieu, mais tout le monde ne sera pas agréable à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le plus important, ce n'est pas de donner. Le plus important, c'est d'abord d'être agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux donner. Je suis en train de parler. Donc Dieu regarde d'abord la personne qui apporte l'offrande avant de considérer son offrande. Quand tu amènes ton offrande, Dieu commence d'abord par te regarder. Quand il finit de te regarder, alors il regarde maintenant ton offrande. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors autre m'a dit, Dieu est plus intéressé par la personne qui donne plutôt que le don que la personne apporte. Dieu est plus intéressé de la personne qui donne plutôt que par les dons que la personne apporte. Les yeux de Dieu regardent d'abord la personne qui donne, pas les dons que la personne apporte dans sa maison. C'est vrai que nous voulons avoir des offrandes à l'église, mais nous ne voulons pas vous pousser à donner simplement des offrandes sans être agréable à Dieu. Parce que le plus important, c'est d'être d'abord agréable à Dieu avant de donner à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, frère, je t'encourage, peu importe les montants, si tu n'es pas agréable à Dieu, ne donne pas ton offrande, rentre avec. Je suis en train de parler à quelqu'un. Deuxième des choses, l'offrande ne valorise pas l'homme aux yeux de Dieu. Et c'est l'homme qui valorise son offrande. L'offrande ne valorise pas l'homme devant Dieu. Au contraire, c'est l'homme qui valorise son offrande. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci: quand tu es agréable à Dieu, c'est à ce moment-là que ton offrande est valorisée devant Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que ton offrande, en donnant cela, qui te rend agréable à Dieu. Il n'y a qu'une seule offrande qui a rendu le cœur de Dieu joyeux. L'offrande de Jésus-Christ à la croix. Aucune autre offrande a la capacité d'agréer le cœur de Dieu plus que le cœur, plus que l'offrande de Jésus. C'est d'abord toi, la personne. Et c'est la personne qui valorise son offrande. Quand tu es pur devant Dieu, tu es agréable devant Dieu, et du coup ton offrande est agréable devant Dieu. Autrement dit, ce n'est pas ton offrande qui te rend agréable devant Dieu, mais c'est l'état de ton cœur qui détermine le sort de ton offrande. Ce n'est pas ton offrande qui te rend agréable devant Dieu, mais c'est l'état de ton cœur qui détermine le sort de ton offrande. La finalité de ton offrande, ce que Dieu fera de ton offrande dépend de l'attitude ou de l'état de ton cœur. Cela dépend de l'état de ton cœur. C'est ton cœur, l'état de ton cœur, qui détermine le sort de ton offrande. Plusieurs pensent que Caïn, son offrande n'était pas agréée parce qu'il a donné des choses pourries. C'est pas ça. C'est l'état de son cœur qui n'a pas permis à Dieu d'agréer son offrande. Parce que pourquoi Dieu doit refuser l'offrande aussi longtemps que l'offrande c'est l'élan du cœur, d'une manière volontaire? Si l'offrande est volontaire, Dieu doit dire que je refuse l'offrande de Caïn et je prends l'offrande d'Abel? C'est simplement parce qu'en regardant leur cœur, Dieu s'est rendu compte que l'état de cœur de Caïn n'était pas agréable à lui. Parce que la Bible dit que Abel est allé prendre les meilleurs parmi ses bêtes pour offrir à Dieu. C'est-à-dire, dans son cœur, il a considéré Dieu. Il dit, je ne donnerai pas n'importe quoi, je prends les meilleurs. Mais par contre, dans le cœur de
Caïn, il a pris seulement ce qu'il pouvait prendre. Donc il n'a pas réfléchi dans son cœur. Il n'a pas pensé à Dieu dans son cœur. Donc c'était d'une manière désintéressée que Caïn a offert à Dieu. Écoutez ceci. L'offrande d'Abel a manifesté l'état de son cœur pour Dieu. Quand vous regardez cette histoire, c'est l'état de l'offrande d'Abel a manifesté l'état de son cœur. Ta manière de donner à Dieu, ta manière de faire pour donner à la maison de Dieu est capable aussi de manifester l'état de ton cœur pour Dieu. Dis-moi combien tu donnes. Dis-moi comment tu donnes aussi. Et je te dirai la place que Dieu occupe dans ton cœur. Dis-moi la manière dont tu te prépares à donner à Dieu. Je te dirai aussi la place que Dieu occupe dans ton cœur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et Dieu voulait mettre à nu et révéler au grand jour l'état du cœur de Caïn. Parce que Caïn pensait qu'il était bon, pensait qu'il aimait Dieu, et Dieu voulait révéler son état de cœur. Dieu n'a pas agréé son offrande et lui a permis de voir combien il a agréé celui de son frère. L'offrande de Caïn ne pouvait être agréée parce que son cœur n'était pas agréable à Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez ceci, mes frères. Pour qu'une offrande soit agréable à Dieu, elle doit être l'expression d'un cœur agréable à Dieu. Si vous voulez qu'une offrande, ton offrande, soit agréable à Dieu, cela doit être d'abord l'expression d'un cœur agréable à Dieu. Si le cœur n'est pas agréable à Dieu, ton offrande ne sera pas agréable à Dieu. Ça sera agréable aux personnes qui comptent les offrandes parce qu'ils verront qu'il y a beaucoup d'entrées. Tu ne feras que faire garnir les finances de l'église. Mais cette offrande-là ne sera pas agréable à Dieu. Qui dit reste, nous donnons pour Dieu. Alors si nous donnons pour Dieu et que Dieu n'accepte pas ton offrande, alors ça servira à rien de donner. Et le cœur doit être agréable à Dieu à des niveaux. Je voulais que vous puissiez me comprendre très bien. Je préfère enseigner. Le cœur doit être agréable à Dieu à deux niveaux. Au moment où on fait l'offrande, la personne qui offre à Dieu doit le faire avec une certaine révérence. L'offrande ne doit pas être un acte banal, car c'est un acte d'adoration. Quelqu'un m'a compris? C'est un service d'adoration. Donc quand on veut donner à Dieu, on doit le faire avec un acte de révérence, parce que c'est une adoration à Dieu. Donc il ne faut pas le donner n'importe comment. Il ne faut pas donner n'importe quoi, simplement parce que c'est un acte d'adoration. Quand vous lisez 1 Chroniques 16:29, la Bible dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec les saints ornements. Vous avez vu ça? Écoutez comment Français courant dit ça. Venez proclamer sa gloire. Apportez vos dons devant lui. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste ce qu'il est Dieu. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc tu as ton offrande. Mais la Bible dit quoi? Prosternez-vous. Fukama. En vrai dit. Pourquoi on dit on ne vient pas de la maison de l'Éternel main vide? C'est parce que dans la maison de l'Éternel, on vient pour adorer. On vient pour écouter. Et on vient pour offrir. Or, ici,
passer par le prosnata. On a parlé de quoi? D'apporter d'abord ton offrande. En d'autres termes, c'est comme s'il n'y a pas prosnata. S'il n'y a pas d'offrande. Donc pour faire l'offrande, pour faire l'adoration, il faut avoir ton offrande. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est comme ça qu'on dit qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce que quand tu viens dans la maison de l'Éternel, c'est pour faire ce qu'on appelle un culte à Dieu. Or, dans le culte à Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la parole qu'on écoute, il y a les offrandes. Donc, ne pas donner l'offrande à Dieu équivaut à un culte incomplet. Romains 1, 12 dit ce qui sera pour nous. Un culte spirituel. Si ça doit être un culte spirituel, ça doit remplir les conditions d'un culte. Or, s'il y a un culte à l'église, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la parole, il y a aussi les offrandes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors, en ayant toutes ces choses, c'est donner à Dieu un culte au complet. J'ai l'impression que je parle seul. C'est donner à Dieu un culte incomplet. C'est comme ça qu'on dit qu'on ne vient jamais à la maison de l'Éternel les mains vides. Parce qu'au risque de rater, de faire ton culte au complet. Darby dit ceci. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Apportez une offrande et entrez devant lui. Quand vous apportez votre offrande, et puis vous faites quoi? Vous entrez devant lui. C'est comme si je mettrais Papa Jean-Marc à la porte. Et quand tu veux entrer, tu montes ton offrande et puis entrer dans sa présence. C'est ce que la Bible dit, non? Alléluia. Amen. Et si je fais ça, Papa Jamar, croyez-moi. Papa Jamar, ndimelangai. 2 heures, ça sera beaucoup. On sera des stars. Sur Facebook. Sur WhatsApp. Parce que c'est la direct mbalamo. Et on parlera de nous. Et on sera étonné, ça vient de qui? Baroka moi, où t'es pas nani? Amen. Amen. Parole de vie dit ceci. Parole de vie à l'obéissance. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Et apportez vos offrandes. Venez à sa présence. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. C'est comme ça que j'ai aimé à un moment donné. On nous a demandé de se mettre à genoux. Parce que quand Dieu se manifeste, on se met à genoux. On ne reste pas debout. On se met à genoux. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Souvent, on ne nous demande pas cela. Mais quand tu vas dans un culte, on te demande des choses qu'on n'a pas l'habitude. Saisis cette opportunité. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand je me mets à genoux, je me dis que Dieu est là. Et directement, je commence ma demande. Ce n'est plus le temps d'adorer. C'est maintenant le temps de lui demander. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. C'est juste une parenthèse. Quand Abraham montait à la montagne pour offrir son fils en sacrifice, il a dit ceci. Genèse 22:5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Or, Abraham était parti d'une manière claire. Dieu lui avait dit de faire quoi? D'offrir son fils. Donc, c'était une offrande qu'Abraham allait amener. Mais quand il parle à ses serviteurs, il ne parle plus de l'offrande. Il dit à ses serviteurs, je ne monte pas pour offrir, mais je monte pour adorer. Cela veut dire pour Abraham, offrir offrande égale adorer. Alors si tu donnes ton offrande avec la pensée d'une adoration, tu es parti pour que ton offrande soit agréée. Mais si tu donnes ton offrande avec la pensée de donner seulement ou de donner à l'église, là tu es
est mal parti. Parce que la première des choses que Dieu exige, pour que ton offrande soit agréée, la première des choses, c'est ton offrande doit être donnée avec une révérence. En fait. C'est ça, avec adoration. Quand tu le regardes, tu prends ton offrande, l'attitude de ton cœur doit être celui d'adorer Dieu. C'est comme ça que j'ai pris une habitude de ne jamais me prosterner sans mon offrande. J'ai toujours mon offrande à main et je me prosterne, que ce soit au culte, que ce soit hier. Je tiens toujours mon offrande et je me mets à genoux. Qui dirait, c'est j'ai toujours des enveloppes. Une enveloppe, c'est pour toi. Je donne l'offrande pour toi chaque dimanche. Une autre enveloppe, c'est pour moi-même. Et je me prosterne d'abord. Quand je finis de me prosterner, et j'entends maintenant qu'on me dit c'est le temps d'offrir. Parce que ça, je sais que mon offrande sera agréée. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Parce que quand je donne, il y a une révérence, il y a une attitude d'adoration. Parce que je considère mon offrande comme étant un acte d'adoration. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Pour Abraham, l'offrande était synonyme d'adoration. Écoutez ces deux affirmations. Le moment des offrandes ne doit pas être perçu comme un moment où nous venons faire des dons pour soutenir l'église, mais plutôt comme un acte d'adoration. Écoutez, ne mettons jamais cette fausseté dans notre tête qu'avec notre argent nous pourrons faire enrichir l'œuvre de Dieu. Non. Dieu est tellement riche que bénir son œuvre sans ton offrande, il est tellement complet qu'il peut donner à son église sans ton offrande. Je peux même te choquer. Les bétons auxquels tu as placé tes pieds, ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas sorti de la caisse de l'église. Dieu a plusieurs poches. Il a touché un cœur disponible qui s'élève un jour. Il dit, pasteur, je ne veux pas qu'on vienne ici et que nos chaussures soient abîmées avec des poussières. Je veux qu'on arrange ici. Est-ce que c'est avec ton offrande? Non. Ça te choque, mais je te dis la vérité. C'est pour te dire, Dieu peut se passer de toi pour bénir son œuvre. Donc ne pensons jamais, enlevons ça dans notre tête, que nous sommes en train de donner à Dieu pour enrichir son œuvre. Il est tellement riche qu'il peut nous demander de casser ces bétons et puis de l'or sort ici. Je vous ai parlé de Akwele, Akwasisabantu. Ils sont tellement bénis, ils ont décidé de ne plus donner l'offrande de la dîme à l'église. On demande les amis qui sont ici, demande à maman Nathalie, demande à la sœur Joanne. Ils vont vous dire, demandez à ma femme, nous avons vu ça. Une réfectoire où les gens viennent manger gratuitement. Amen, toi seulement avec chaque midi, toi amène seulement les boumounans. Amen, seulement t'avant. Et ils ne donnent plus la dîme, papa Chamal. Ni les offrandes. Je prie que Dieu nous amène dans cette dimension. Donc, il est tellement... Vous savez, la richesse que Dieu leur a donnée, c'était quoi? C'était de l'eau. De l'eau. À partir de cette eau-là, ils ont des avions. J'ai vu ça. J'ai vu leur église. Et puis, ils ont une cité. Tu peux décider, Papa Jean-Marc. Tu envoies ta demande. Je voulais venir en retraite pendant un mois. C'est gratuit. Tu ne payes pas. On te donne la nourriture. Matin, midi, soir. Mais la condition seulement de respecter les délais de 30 jours. Parce que nous, les Congolais, nous nous connaissons. 30 jours égale 60 jours. 60 jours égale 90 jours. 90 jours. Namonigara, restons ici.
Mais je trouve que c'est comme si restons ici. Nous allons créer une tente, trois tentes. Et ma misato. C'est pour vous, moi je vais rester. Mi balé pour la bino, pe moko eza pour nangai. Et les gens vont là-bas. J'ai dormi là-bas avec ma femme. Na la la na na mo si nangai. J'ai regretté ma chambre. Na oki la chambre na mama. Je regarde ma chambre. Nathalie chambre nangai. Comme quelqu'un disait. Neti mutu mwa banalo. Nathalie photo. Je regarde Nathalie bando. Je regarde le bando. J'ai regardé ma chambre. Nathalie chambre nangai. J'ai regardé. Nathalie Owana. Bisika na zaki. Et c'est gratuit. Quand ton enfant a 2 ans, c'est dans 4 ans qu'elle va commencer les cours. C'est à 2 ans que tu dois faire l'inscription dans leur école. Si tu attends 4 ans, il n'y aura plus de place. Quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ils vont aller voir ça. Amen. Si pas avec tes frères. Je crois que je serai tellement béni que tu pourras le faire avec mes frères. Donc je disais, considère plutôt comme c'est un acte d'adoration. Donc enlève ça dans ta tête. Ne mets plus jamais cette logique dans tes pensées. La deuxième chose, deuxième affirmation, nos offrandes ne doivent pas être le fruit d'une improvisation. Elles doivent être préparées. Elles ne doivent pas être un fruit d'improvisation. Elles doivent être préparées. Cela veut dire quoi? L'offrande doit être préparée. Les offrandes doivent être préparées. Ce n'est pas que tu arrives au culte et que c'est le temps des offrandes. Maman n'aïe. Tu as 1000 francs là. Tu as 1000 francs là. Donne-moi comme ça, je vais ajouter avec un dessin ici. Cette offrande, je ne suis pas vice-dieu. Mais je crois que ça ne sera pas agréable à Dieu. Donc, tu ne sais pas d'abord combien tu vas donner à Dieu. Dieu, tu ne l'as pas préparé. Si tu ne l'avais pas préparé, toi, tu n'avais pas pensé. Et là, tu es surpris au culte. Mais quand tu es sorti à la maison, tu avais dit que tu vas aller rendre culte à Dieu. Oh, dans le culte à Dieu, il y a les offrandes. Donc, tu n'as même pas pensé à ça. C'est comme ça que tu te fâches. Quand on parle des offrandes, regarde comment tu es fâché. Quand papa Jean-Marc a dit, lève nos mains. Tenez nos offrandes. Tu as l'impression de tomber. Parce que tu n'avais pas prévu ça. Alors, regardons comment nous sommes. Comme on est à côté d'une très belle sœur. Alors tu te dis, elle pourra mal penser de moi. Alors tu ramasses ce que tu pourrais ramasser dans ta poche. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le comptage. Avec des billets déchirés. Je me demande, ça vient de qui? Qui peut offrir à Dieu une offrande déchirée? Et qu'est-ce que tu en penses? Où on fera quoi? La Bible dit, si quelqu'un veut donner à Dieu, rends d'abord ce que tu veux donner à Dieu. Amène-le à ton gouverneur. S'il accepte ça, alors à ce moment-là, donne à Dieu. Les billets déchirés, prends-les. Va donner à notre gouverneur de la ville. S'il prend, alors viens donner les mêmes billets à Dieu. C'est à l'église qu'on doit trouver des bons billets. Mais demandez aux amis, demandez à Nathalie, demandez à Rachel, demandez à Kirby. Il y a toujours des enveloppes, des billets déchirés. C'est parce que ça n'a pas été préparé. Quand je vais donner l'offrande à Dieu, je cherche des bons billets. Je les retire. C'est ces billets-là que je donne à Dieu. Maintenant, quand toi tu nous donnes des billets déchirés, tu veux quoi? Que les anges descendent? Ou moi, le pasteur, je sors dehors? Donc je commence à vendre ça pour les gens qui passent là. Ok, je vais commencer à le faire. Parce que c'est le nouveau travail que tu me donnes. On est de prier pour toi. On est de préparer la prédication. Je serai en train de chercher des papiers collants. Commencer à coller quand même des billets qui sont un peu bien. Et le reste, je me mettrai devant la porte. L'argent déchiré, j'achète.
Si j'ai en train de parler à quelqu'un, cela montre clairement que nous n'avons pas préparé ça. Nous l'avons ramassé seulement. Il y a des gens qui montrent même leur sérieux en prenant leurs offrandes, en les mettant dans une enveloppe. Ce n'est pas pour cacher les montants. Dieu a qu'à faire de tes montants. C'est plutôt le respect qu'il donne à Dieu. Il les met dans une enveloppe. Une enveloppe très propre. Un jour, j'ai demandé à Jean-Marc. Je lui ai dit, amène-moi une enveloppe. Il sait comment je l'avais chassé. Je lui ai dit, comment une enveloppe très sale comme ça? Est-ce que Dieu avait besoin d'une enveloppe? Non. Mais je dis, c'est à Dieu. Ça doit être très propre. Ce n'est pas une enveloppe. C'est une lettre. Après, je prends ça, la compte sous mon arrête. C'est pas ça. Vous pensez que les enveloppes qu'on vous donne, nous ramassons cela, nous achetons ça, parce qu'on s'est dit que tu dois donner à Dieu avec respect. Si on dit que l'heure est venue pour que les vrais adorateurs adorent Dieu avec respect, c'est la façon pour dire que l'heure est venue où les gens doivent offrir à Dieu avec respect. Où est le respect que nous donnons à Dieu lorsque nous amenons nos enfants? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Au moment de l'offrande, le cœur doit être agréable à Dieu par l'attitude avec laquelle on offre. L'attitude d'adoration. C'est cette attitude-là que nous amènera à donner à Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mais à un autre niveau, le cœur doit être agréable à Dieu. Pas seulement au moment où on est en train d'offrir, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que celui qui offre à Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu. Parce que tu sais que c'est à tout moment que tu peux donner à Dieu. Alors il ne faudrait pas que quand on veut donner à Dieu, on commence par la repentance. Non. On donne à Dieu. On les craint déjà. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Non, la question que je pose, est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour comprendre? Peut réagir à ce message? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à prier? On nous a enseigné tellement de choses ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier, réagir à ce message? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Par ce message, parle à Dieu. Par ce message, parle à Dieu. Ô Père éternel, nous te disons infiniment merci. Infiniment merci. Car nous croyons, Père éternel, que le temps est venu. Il est déjà là. Où tu recherches tes vrais adorateurs. Ceux qui t'adoreront en esprit et en vérité. Père éternel, en réalité, l'adoration, nous te le devons. Parce que Seigneur, tu nous as aimés le premier. La Bible dit, nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Père éternel, si nous t'aimons par nos adorations, c'est parce que toi-même tu t'es offert. Si nous nous offrons, c'est parce que un jour tu as choisi d'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si nous devons t'offrir, c'est parce que, ô Père éternel, toi tu t'es offert à nous et nous devons t'offrir. Père éternel, nous te prions dans le nom tout-puissant de Jésus. Donne-nous, ô Père éternel, chaque jour de nous sanctifier. Car chaque jour, nous avons un rendez-vous, celui de t'adorer. Chaque jour, nous avons un rendez-vous, celui de t'offrir. Chaque jour, nous avons un rendez-vous, celui de monter sur la montagne et d'offrir notre Isaac. Celui que nous aimons. Père éternel, après ce culte, je prie que quelqu'un
apprennent à t'adorer. Père éternel, je prie qu'après ce culte, quelqu'un apprenne à t'offrir. Je prie qu'après ce culte, que quelqu'un apprenne à se donner, à te donner, à t'offrir. Merci Père éternel, car cette parole n'était pas seulement un ensemble d'enseignements, mais cette parole était esprit et vie. Je te dis merci parce que, à partir de cette parole, tu as communiqué à quelqu'un une attitude, celle d'un homme qui sait se prosterner, celle d'un homme qui sait adorer, celle d'un homme qui sait considérer la personne que tu es. Qui est-ce que tu es? Tu es celui qui nous a aimés le premier. Qui est-ce que tu es? Tu es le roi des rois. Qui est-ce que tu es? Tu es le Seigneur des seigneurs. Qui est-ce que tu es? Tu es le Créateur incréé, le Dieu redouté et redoutable, celui qui dit une parole et cette chose s'accomplit et personne ne peut s'y opposer. Qui est-ce que tu es? Tu es celui qui a sacrifié ton agneau avant la fondation du monde. Et c'est pour cette raison que je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que tu demandes à Abraham d'offrir son fils, son unique. Parce que toi, tu avais déjà offert ton fils Jésus avant la fondation du monde. Père éternel, tu ne peux pas nous demander ce que toi-même tu n'as pas encore fait. Si tu nous demandes de t'offrir, c'est parce que toi-même tu t'es déjà offert. Et aujourd'hui, Père éternel, nous avons appris à adorer le Dieu qui s'est déjà offert à nous. Et c'est pour ça que nous nous offrons. Je prie, Père éternel, pour une semaine d'offrande, pour une semaine d'adoration, pour une semaine de sanctification dans le nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment.